évidemment, il y a des examens, notamment pour nos formations diplômantes. Donc, des examens qui se présentent sous trois formes. Donc, du contrôle continu, c'est-à-dire que là, on va être sur des études de cas donc, qui se réalisent pendant les sessions de formation ou des travaux en sous-groupe, par exemple. Également sous forme donc, d'examens sur table pour certains cours. Et enfin, il y a un projet stratégique à réaliser par tous nos participants à nos formations diplômantes, donc avec la rédaction d'un mémoire qui est donc présenté à la fin de l'année devant un jury qui compte pour une grosse partie de la note également.